Salut YouTube, j'espère que tu viens, je te fais des bisous, on se retrouve sur Domekeeper et on va essayer une game en énorme et difficile. Alors je sais pas pourquoi je me fais chier avec double niveau de difficulté en plus. Y a un move, assez intéressant. Et j'ai retrouvé mon petit chat. Oh, il est trop mignon mon petit chat. Vous avez vu mon petit chat? Il est beau mon petit chat. Hein, vous allez voir, il va faire des trucs un peu rigoulous. Énorme. Le petit chat. C'est mon petit chat. Par contre, c'est un sketch là ou comment ça se passe? J'ai le droit à des ressources à un moment dans ma vie de merde ou. Je vais me faire foutre. Faut le dire tout de suite, hein. Petit chat, oui. Oh, oh, cobalt. Vu. Ah non, c'est du fer. Il est dans un autre skin. Pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? J'ai encore un peu le temps. Putain, on se traîne le cul, hein. J'ai plus l'habitude, hein. Un peu terrible, hein. C'est un peu terrible ce qui se passe. Oh, ya ya. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ah, oh, Koba. Koba le tue. Ça va être très long. Ah ouais. On est sur ce bail obscur, ok. Bah, on se retrouve dans 2000 ans, hein. Là, y a encore du fer. Bah, c'est bien, ce sera pour la prochaine vague, c'est bien. Tant mieux. Farpètement farpé. Énorme et difficile, j'entends ça souvent, c'est ça. C'est fine, c'est fine. Ta gueule. Voilà. Ça vous l'entendez pas souvent, mais pourtant... Tant Dieu sait que c'est important. Ta gueule. Ta gueule. Après, découvrons une grade 45e couche de minerai. C'est beau, mais c'est loin. Ah, c'est ça. Ah, je disais, c'est loin, mais c'est beau. C'est loin, mais c'est beau. Merci. Merci, monsieur Chirac. Oh, mon petit chat. C'est quoi mon petit chat comme il est mignon? Bon, là, Mimos, il va encore arriver. Monomaniaque comme il est, il va encore me dire assassin, Brigitte Bardot, d'April, connard. Il a tué 20 milliards de petits chats, alors qu'en fait, c'est arrivé deux fois. Même pas une fois. Voilà, hein. Monsieur Mo, c'est ses lubies. Disnone. Ta gueule! Petite ressemblance capillaire. Très légère, très légère. Après, il y a un peu de droite, The Fantasio, non? Je pense qu'il y a un peu de droite. Je suis pas sûr, mais. La crème ATK, pourquoi? Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Au secours. Ok. Je vais balancer ça à Mimos. Mais je sais, c'est le but de le balancer dans le chat, hein. Je sais très bien que vous allez. Vous allez plus cave. Oh, c'est dégueulasse ça. On peut être de droite à la réunion. Oh, je pense qu'on peut être de droite à la réunion. Hein. Je suis pas certain que ce soit tellement un problème. Attendez, faudrait que j'améliore des trucs là. Aujourd'hui au boulot, en une phrase, j'ai facilement déterminé qui était de droite et qui était de gauche. Oh merde. Le mec est parti sur un truc clivant d'emblée quoi. Je veux foutre la merde en société. C'est mon plaisir. Attendez, comment j'ai fait mon. Pas clair. Bon, c'est relou de miner là-dedans. Oh oui. Oh les gros nonoïs dégueux là. 47% pour la CFDT. Aïe. Ah la CFDT, les jaunes, hein. Les sociaux traîtres. N'en parle pas assez. Hein. J'ai fait n'importe quoi là sur mes comptes de galerie. C'est ridicule. La Réunion et les migrants comoriens, c'est pas très de gauche ce qu'ils leur font. Ah bon? Je suis pas au courant. J'ai des collègues qui ont rigolé. D'autres absolument pas. Ah, j'ai balancé 47% pour le MEDEF. Oh, terrible! Ah, c'est un peu vrai en même temps. On a eu des votes pour le CSE. Ah oui, d'accord, ok. On me disait qu'il y avait une élection professionnelle ou un truc du style, mais j'étais pas sûr. Je n'étais pas certain. J'améliorerai peut-être mon épée quand même, hein, parce que ça va commencer à se voir. Ça va commencer à se voir. En plus de ça, j'ai déjà pris des dégâts, c'est un peu ridicule. Oh, tu es une merde! Oh, you're such a chiasse d'April. Aïe, ya. Ok. Ça, c'était bien expédié. On aime. Je crois que j'ai encore un bout de cobalt là-bas, ouais, voilà.
Par contre, j'ai pas compris les 14% pour la CFTC. Ah, la CFTC, il y a encore du monde. Hein. Étonnamment, il y a encore du monde. Bon, bah, c'est pas grave, ce sera un compte par rond, mais. Oh là là, oh, c'est relou. Oh, c'est chiant. Ça peut... On peut pas revenir sur un truc plus fastoche, là? Ah, si, voilà, merci. Je vais repiquer à partir de là pour avoir un compte rond, même si c'est débile. Hein. Je le concède, volontiers. Bon, il faut que j'améliore mes capacités de transport aussi. Je m'oppose, monsieur Pril, vous n'êtes pas qu'une merde. Vous êtes aussi un tueur de chatons. Bonsoir, monsieur Moss. Comment allez-vous, monsieur Moss? Nous n'avons pas du tout diffamé sur votre personne. Je tenais juste... Le chaton est de retour et le chaton va bien. D'ailleurs, voilà, vous pourrez dire à Brigitte Bardot que je l'emmerde. Truc bien, en toute amicalité, bien sûr. Très cordialement. Vous avez vu mon petit chat, comme il est trop mignon, mon petit chat? Ça me fait plaisir à entendre. Bah, je me doute bien. Non, nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas des gens qui diffamons particulièrement ici. Oh le bouffe! The master bouffe is in the place. Allez, ferme ta gueule. Ok, ça s'est bien passé. Là, ce serait bien que je chope un gadget. Salle de sport qui met en place un set DJ et de la soupe. Angevine, ça me met très bien MDR, la séance suit bonne. Ah, tant mieux. Tout va bien. Tout va bien. Petite soupe, là. Le tarte croûte. Ah, putain. Dans Nancy, il y a des... Ça, j'ai pas compris le projet. Hein. J'ai pas compris le délire. Dans Nancy, il y a des stickers très chelous au mur. Enfin, au poteau, partout, en fait, en ville. Alors, il y en a deux. Il y en a un avec un mec qui est comme ça. Et il y a écrit « Et toi, là ?» Voilà. Et il y en a un autre où il y a une tarte et il y a écrit Tart Crew. J'ai jamais compris le projet. Soupe en juin égale mousseux et cointreau pour ceux qui ne, connaissent pas. Oui, c'est du. C'est de la soupe de champagne, quoi, en gros. Mais c'est en champagne avec du crément ou un truc comme ça. Je vois le délire. Bon délire, au demeurant. De fort bon goût, de fort bonne aloi. Faut que j'améliore mes capacités de remonter parce que là c'est ridicule. Je peux en transporter 3. Je suis déjà méga ralenti. Peut-être arrêter les conneries quoi. Ça me fait rappeler. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une soupe en juin à la maison? Faut qu'on la passe la prochaine fois. Ah bah oui, il faut. Petit coin tral là. Petit coin trop de Seymour. Parler de moi juste avant que j'arrive, je meurs. T'as réussi à invoquer Brigitte, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Je le sentais venir. Il y a vraiment des gens qui adorent le coin trop. En soupe de champagne, oui, c'est sympa. Après, dans le reste, non, c'est globalement dégueulasse, quoi. Ah, ça, c'est un salaud, t'es le tué 20 milliards de petits chats. Oui, voilà, voilà. Je vous l'avais dit, c'était annoncé. It is known, hein, c'était la prophétie. Bon, je me traîne le cul aussi, ce serait bien que je mette un point dans la vitesse, mais j'ai pas la thune. J'ai pas les moyens. Oh merde. Ah, il l'a pas pris le... Oh le sac à merde. Oh, you're such a sac à merde. Ok. Perso, j'aime pas surtout depuis un certain cocktail à Saint-Etienne. Non mais, faut arrêter avec Saint-Etienne aussi. T'as des problèmes avec cette ville. J'ai l'impression qu'il y a un passif pour chez tout le monde avec Saint-Etienne. Terrible. Terrible. Oh non, c'est salaud ça. Ça c'est vilain ça les gars. Oh là là, au secours. Au moins... Assure que ton perso est pas de droite, d'April. Parce qu'avec les 3 fers au cul, tu bouges pas. Alors qu'une politique de droite avec une dizaine de casseroles au cul t'avance très bien dans la vie. C'est ça, c'est exactement ça, Ada. Mais grave vieillé en boisson, crêpe ou gâteau. Ah, crêpe, non, tu vois. J'aurais pas envie de... Ça me ferait pas envie... Cocktail qui n'a pas aidé à la vision que j'ai de la vie. Non mais ça j'entends. J'entends tout à fait ce discours, monsieur Doob. Pas un truc que je peux améliorer avec l'eau, maman, faut qu'on parle. Ah, c'est la Hesse. On trouve pas de fer en fait, c'est ça le problème. Ah, je vais pas me réparer, c'est vraiment ridicule. Compteur de cycle. Ah, c'est marrant ça. Ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli.
Ça fait peur aux chiens en plus. Comment te dire? Un pote va voir le barman en disant que j'étais grenoblois. Donc j'adore la chartreuse et le barman me dit qu'il a un excellent cocktail à base de chartreuse. Le cocktail est chartreuse Cointreau. Oh merde, dégueulasse! Ah le cauchemar! Voilà, ta gueule. Ouh là là, les affreux débarquent. Il me faut absolument le petit laser. Hein. C'est relou. Hein. C'est relou. Oh, petit chat. Et oui, petit chat, je reviens. Pour l'instant, je creuse un peu des trous et après, je reviens te voir. Le mieux, c'est chartreuse. Plus petit as, petit as. Et bonsoir, monsieur Dogo. Comment allez-vous? J'espère que vous ne vous êtes pas laissé surprendre par la joie inhérente à la possibilité d'une fibre à très haut débit. Les affreux débarquent alors que Mimos vient d'arriver. Vraiment de la méchanceté cette soirée, tout à fait. Chartreuse, j'adore aussi. Ah, je suis pas fan. C'est quoi un petit Taz? Un petit Taz, c'est une ecstasy, un Taz. C'est un extas. C'était une blague, c'est une private joke qu'on a avec, avec Monsieur Dogo. Petit Taz. À la base, c'est une vanne de Nurshtuffer. Où ils ont vraiment un délire autour de ça. Petit Taz. Et du coup, bon, pendant une soirée. C'est un cacheton, on sait ça. Et du coup, enfin, je dis de l'extas, mais en vrai, ça peut être un peu n'importe quoi, hein, je pense. Mais. Du coup, pendant une soirée, on n'arrêtait pas de se dire ça et on était morts de rire comme deux connards. Du coup, c'est un peu devenu le leitmotiv. Le leitmotiv de la sale blague. La sale blague de Kamax. On adore. Stas, là. Alors, attendez voir. Est-ce que j'améliore mes capacités offensives? Un petit parastamol, exactement. Pas plus de 3 par jour, attention. Il n'y a pas des animaux. Coup des stocks rapides... C'est bien le coup des stocks rapides, mais je crois que je le préfère en renforcé quand même. Mais je vais prendre le retour à l'envoyeur, parce que ça, c'est vraiment le truc qui peut casser les burnes. Casse les couilles et le retardant, c'est bien. Je suis plutôt Xanax. Ah, on a tous nos petits problèmes, comme dirait Olivier Besancenot. Oh, mais vous en faites pas, on a tous nos petits problèmes. Ça, c'était une erreur, voilà, parce que l'affreux arrive, là. Je crois que j'ai le retour à l'envoyeur, maintenant. Voilà. Vas-y, tire ta merde, là. Tac. Oh, c'était nul, ça. Oh, c'était bien de la merde, ça. Petit coup de vermifuge, là. Dire que j'ai tourné à 3 paracétamol par jour ce week-end. J'étais pourtant comme un zombie. Ah ouais? Bah, ce week-end, t'étais chez les teutons, non? C'était pas ce week-end que t'étais à un salon, là? Quoi, t'avais mal au crâne, donc t'as dû faire la présentation de la boîte en disant Yaya, Zergout, Mouskatnous, Hermuller, et en plus t'étais pas bien. Ah bah c'est du propre ça. C'est du propre ça. Sous Magic Beau Gosse, hein, évidemment. Si vous n'avez pas la rêve, c'est vraiment pas un problème. Ok, je vais remonter avec ça et je vais aller rechercher le fer qui reste, c'est bien. Ouais. Ah ou alors t'étais grippé. Un peu grippé pendant ta session teutonique. Ok, bon je dois avoir le temps de redescendre théoriquement. Là j'aimerais bien trouver un gadget, c'est ça qui pourrait me faire vraiment avancer dans la game, mais ça a l'air complètement certe quand même. Je crois que globalement il y a une volonté du jeu de pas me filer un truc décent. Et juste de me casser les couilles. C'est une hypothèse, c'est juste une hypothèse, hein, vraiment. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Moi je pose des questions car beaucoup trop de références à l'Allemagne. Ah bah non mais tout va bien monsieur Doug. C'est vous qui surinterprétez. Mais vous avez toujours eu un problème avec la surinterprétation. On ne dit pas assez mais... Le Doom aime bien voir des signes là où il n'y en a pas. Et bon l'Allemagne ça reste un pays... voilà quoi. C'est comme ça. Allez les affreux, venez venez. Ah mais en même temps je joue en difficile donc c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de ressources. C'est plus compliqué à engranger. Peut-être un lien de cause à effet. Ah mais ils résistent à deux coups maintenant ces petits bâtards, bah super. Debout. Debout. C'est marrant la Zermanie, tout à fait monsieur Moss. Tout à fait monsieur Moss. J'ai parlé anglais, allemand et un mélange de je sais pas quoi parce que...
un Hongrois me parler dans sa langue et pas que, plus état grippal, plus debout de 9h à 19h, littéralement debout. Ah oui, non, mais je comprends. Feel the pain. Feel the pain. Quel enfer! Du coup, le samedi, j'avais tellement... tellement de courbatures que j'arrivais plus à tourner la tête. De grippe, de stature debout. Ah putain, score, je ne sais pas. Au secours! La purge. Ça devient dur de creuser, là. Hein. Heureusement qu'on avait des insectes partout, et ça, c'est chouette. Oui, tout à fait. Ça, c'est encourageant. Oh non. Oh, ça, c'est honteux, ça. Ce qui vient de se passer, là, c'est vraiment dégueulasse. Oh, putain, mais je creuse, mais de la merde. C'est nul, mais c'est nul. Ma parole que c'est naze. Ah, je comprends le niveau de difficulté en plus. Hein. Déjà, la carte est plus grande, mais en plus, c'est vraiment galère. Ok, faut que je me casse. Puis la carte, elle tire la gueule, donc c'est pas facile d'opti là-dedans. Aïe, 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 aïe. Quelle indignité. Ok. Attends, j'ai pas regardé les améliorations. Ah, mais j'ai zéro de fer, bah comme ça. Va bien te faire foutre, mec. Au cas où t'étais pas sûr de la réponse. Va bien te faire foutre. Quick. Ok. J'ai pas le vermifuge là. Ah si, c'est bon, ok. El monstrifugo. Oh, ça devient une galère de creuser là. Au secours. Ce qui est marrant, c'est que quand tu apprends en langue, comme en allemand dans les premiers cours du style, combien ça coûte, c'est cher, c'est pas cher. Je voudrais acheter une montre. Ce week-end, c'était tout ça. Donc j'avais le vocabulaire qu'il fallait. Parfait. Ah, c'est bien, c'est que le système est fonctionnel. Ah mais ça va casser le rythme parce que c'est plus les mêmes blocs. Quel dommage. Oh là là. Hardcore. En fait je suis en train de me demander si la carte en mode difficile ça va pas être des alternances et qu'il faut revenir dans ce que t'as déjà creusé. J'ai un peu peur de ça. Je vais pas vous le cacher. Oh, de l'eau. Enfin, moi faut qu'on parle. Ah, ça devient plus dur. Surtout, c'est trop cher. C'est pas possible de négocier ça. J'ai eu le droit à chaque fois, bien sûr. Évidemment. Oh non, c'est trop cher. Je pensais l'offrir à mon petit-fils qui est unijambiste. Vous pouvez pas faire un geste. Oh merde, je suis dans la merde. Let's go. Putain, mais j'ai pas de fer. Ça devient galère là. Hein. Ça devient vraiment complexe. Ah bonjour. Ok. Non non mais quel con. The master boof. Ah mais en fait faut juste rester en mode statique et ok. Je crois que j'ai la ref, ça y est. Attendez voir, j'ai vraiment tout creusé à cet étage-là, mais je suis pas sûr. Hein. Ouais, j'ai pas tout fait. Hein. J'ai pas tout fait, mais ça, c'est, ça a l'air compliqué quand même. Bon, ça va encore. Bon, ça, c'est chiant par contre. Là, on s'emmerde. Et pas qu'un peu. Hein. Ok. Ah, oh, vu. Vous l'avez vu, vous l'avez vu. Bah ben, voilà du fer. Ah, oh là, ça va être compliqué. Ok. Il y en a que 6, hein, donc du coup, pas d'amélioration. Quand t'as un client qui prend 3 trucs rares pour 800 balles, tu lui fais une réduc. Mais les deux vieux qui viennent te prendre 3 papillons à 14 pièces et qui te disent on en prend quand même 3, c'est possible de faire 10 chacun. Bah ben, non, gros, mange tes morts en fait. Oh, j'ai le temps, j'ai trop envie d'y croire, j'ai le temps. C'est pas si loin.
Oh, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. J'y crois à mort. Et ouais, je vais peut-être faire une pause aussi. Hein. Je vais peut-être commencer à y songer. Ça va être pas mal. Quand même plus de 30% de restant. Tu veux pas une pipe aussi en bois, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pipe et jambes de bois. Eh, j'aurai le vermifuge pour la prochaine phase, donc ça c'est bien. On va pouvoir commencer à performer un peu. Ah mais le coup des stocks, il a zéro portée là, c'est chiant. Ok. Voilà, toi ta gueule. Oh merde, c'est nul ça. Dégage mon chalin. Oh, ce que j'ai pris par contre. On va mettre un petit coup de réparation, je pense. Hein. T'as pris la force de parler de Vermissu. Ça va se voir que t'es complotiste. Mais bien sûr, c'est les chemtrails. Hein. Je suis sûr que c'est les chemtrails. J'y crois à mort. Je le sais, je l'ai lu sur Facebook. Et c'était pas n'importe qui le disait. Hein. C'était un mec, il était... Je crois qu'il était chercheur. Je suis pas sûr. Hein. Je crois même que c'est le gars qui a inventé les chemtrails. Ça, vous y attendiez pas. Hein. Je l'ai lu sur Twitter. Ivermectine, oui voilà c'est ça, tout à fait. Il y a une nana comme ça qui a insulté un vendeur en ligne parce qu'il ne voulait pas faire une remise d'environ 90% sur un ordi ultra gamer. Il lui a senti qu'il avait pas de cœur et qu'il ruinait le Noël de son fils. Bah oui d'accord madame, mais c'est pas vous qui vendez à perte quoi. Désolé mon cul ouais. Comme avait dit un illustre philosophe barrois. Hein. Vous ne connaissez pas ce philosophe, c'est normal. Désolé, mon cul, ouais. Ah, le cholestérol le raconte extrêmement bien, mais là, malheureusement, il n'est pas parmi nous. Au secours. Oh, le vermifuge. Oh oui, je vais mettre un coup de vermifuge. Petit coup de chemtrails, là. Ok. Bon, je vais aller à gauche. Toujours aller à gauche dans le doute. Oh, le gadget. Enfin. Oh merde. Oh merde. Vite, 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 vite. Y'a plus le temps, y'a plus le temps, ma bonne dame. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué d'arriver à l'heure. C'est la merde. Hein. C'est la merde. Ça va le faire. Ça va l'effectuer. J'y crois à mort. Petit chat. La sonde ou le monde charge. Ah, c'est vrai que le monde charge, c'est tentant quand même. Après la sonde, c'est vrai que c'est pratique. Mais le monte-charge, ça fait gagner beaucoup de temps quand même. Je vais prendre le monte-charge. Dégage, mon chalin! Oh là 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 là, ce que je prends. Oh, le maxi best-of que je me prends, là. Connard, je le déteste. C'est chiant, c'est chiant. Aïe. Oh là là, j'ai pris turbo tarot, là. Hein. Ok, bon, ça va que... Il y a du pognon. Il y a du cobalt. Much about such wow. Alors le petit gadget, je suis pas sûr qu'on retrouvera quelque chose de dingo à gauche, surtout qu'à mon avis ça va être l'extrémité de la carte assez vite. On est dans un espèce de goulet d'étranglement à la con. Aïa. C'est long, c'est relou. Ah oh, cobalt. Ok. Ah oui, très bien. Dans le monde charge, puis on va remonter tranquillou avec. Hein. Oh, la belle prise. Saloperie. Oh, j'ai le
j'ai le temps, j'y crois à mort. Surtout qu'avec le monte charge, on a un petit bonus de vitesse. Pas dégueulasse. Au pire, on droppera les trucs et on montera très vite. Je sais pas si on l'a dès le début. Je suis pas sûr de cette information là. J'ai des doutes. J'émets des doutes. Peut-être l'améliorer. Oh, ça va, c'est pas trop cher. Ok. Eh bien, combattons. Et après, je fais une pause. Faut que j'attende qu'il se rapproche. Mais après, le problème, c'est que du coup, mon coup des stocks va recharger plus lentement. Je peux pas autant le rentabiliser. Arrête, Bernard! Oh, c'était nul, ça, d'April. Faut pas faire des trucs comme ça, franchement. Si tu te sens pas de le faire, le fais pas, quoi. I'm a dwarf and I dig a hole. Bonsoir, monsieur. Monsieur Perdu, comment allez-vous? Ah, j'avais dit que je faisais une pause. Monsieur Perdu arrive sur la pause, mais... J'avais dit que je faisais une petite pause, parce que là... L'envie d'uriner se rapproche. De plus en plus fort. Je vous remets de la musique, les jeunes. Ça va et toi? Bah, ça va, tranquille. Ça va, tranquille. Je pense que je vais laisser le replay tourner et je le recutterai. Tranquille ou après. On va faire ça. Je vous laisse avec de la musique, les jeunes. Je reviens dans 5 minutes. Des bisous. A tout de suite. A few moments later. Et re. Sur cette musique de Space Invader de ses morts, en mode Mars Attacks, je recharge ma gourde. Regarde là. Courdasse. Ok. Allez, on va reprendre la game. Oui, alors je viens de me taper une vague. Au secours. J'ai un bout de cobalt. Voilà, c'est compliqué là. C'est compliqué, certes. Je vais pas avoir trop le choix en fait. Non, il va falloir que j'y aille. Hein. Non, mais je peux encore aller à gauche là, peut-être. Qu'on n'a pas essayé de creuser là sur la gauche. On va voir ce que ça donne. Ah, de l'eau. Maman, faut qu'on parle. Maman, faut qu'on parle. Ah, c'est plus facile ici. C'est chiant. C'est chiant. Ok. Je vais déjà devoir remonter quoi. Au secours. Oh, j'avais pas le vermifuge, ceci dit, mais quand même quoi. C'est long. Ah, oh. Putain, mais il y a des feintes et tout en plus. Donc là, par exemple, c'est peut-être un gadget quoi. Qui est un peu out of range. Ouais, non, au secours. J'ai pas le temps. J'ai juste pas le temps en fait. Oh, les gros nonoïdes dégueu. Cringe. Bon, je remonte plus vite normalement. Voilà, très bien. Deux de flotte. La récompense de merde. Après, le vermifuge est rempli, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, en vrai, je suis en train de me dire que ça peut être bien pour planifier. Ouais, voilà. Ça peut être quand même pratique, quoi. Ok. Let's go. Je t'ai vu, toi, hein. Oh, ça y est, la mocheté arrive. Oh! Et on a changé de biome? Oui, parce que je suis passé en mode chasse à la relique. Plutôt que prestige. Paf! Arrête! Bernard, t'es chiant. Petit coup de vermifuge. Oh, le petit chat! Vous avez vu le petit chat? C'est très joli. Oui, c'est très joli. Fort agréable à l'œil. Bon, j'ai que deux de fer, ça va commencer à être un problème assez vite. Hein. J'ai peur que ce soit que des trucs difficiles à creuser. Ce qui rend le truc vraiment pénible. Oh là là, quel enfer. Il me faut du fer là. Oh, la session vermifuge qui sert à que dalle quoi. Ah si, quand même. Finally some good fucking food. Comme dirait Gordon Ramsay. On n'embrasse pas, évidemment. Ok.
Ok. On va peut-être, avec ça, on va peut-être pouvoir améliorer la foreuse parce que ça commence à devenir compliqué là. Ça commence à devenir très très complexe. Ah mais regardez ça quoi. Ah, il me faut le niveau du dessus là, j'ai plus le choix. Hein. Je vois la gueule des... de la pierre que je me tape. Ah, si là ça redevient un peu fastoche. Faut remonter par contre. Ouais, faut remonter là. Bonsoir, ravi de pouvoir être là pour voir Jean Mineur opérer moult décollage de fusée. Ah bah là, on fait plus de partie en mode prestige, monsieur Nain. Et bonjour, monsieur Nain, comment allez-vous? Donc, nos Jean Mineur... Enfin, si, il est toujours là dans nos cœurs, évidemment. Mais pas directement, quoi. Dili-tili-li-li-li. Aïa. Comment allez-vous, monsieur Nain? Oh, la base, ok, c'est bon. J'aurais pas assez tout de suite, il faut que mon charge remonte. Ah mais non mais c'est 12 maintenant. Au secours. Au secours. Ça va fort bien et toi donc? Bah ça va, écoute, j'ai passé, comme j'expliquais, j'ai passé la journée à monter des meubles. Et à réceptionner des colis Ikea. C'était fort sympathique. Un petit ascenseur qui remonte des trucs pour toi, oui. Tout à fait, madame Pivoine. Bon, j'ai 7 de cobalt. Là, je crois qu'une réparation d'urgence va devoir être opérée. Oh merde, si je survis en fait. Si je survis à ça, parce que. Il me fait mal ce bouffe. Oh là là, c'est compliqué. Ça devient vraiment complexe là. Oui, j'ai un petit ascenseur qui remonte des trucs pour moi. C'est beau. Ah, normalement, je devrais avoir assez. Je devrais avoir assez pour améliorer ma foreuse parce que... Oh, non mais là c'est une catastrophe. Hein. Ce qui se passe là c'est un naufrage. Hein. Enfin, c'est pénible. Hein. Et le pire c'est que normalement c'est le mode brutal qui est le mode par défaut. Hein. On le précise. Théoriquement le jeu a été pensé pour être joué en brutal. Au secours. Tant vous dire que c'est le genre de truc qui se passe pas bien quoi. Ah. Peut-être un peu de fer là. Du cobalt. On prend. Hein. On prend tout ce qu'on peut. Oh la drogue! Très bien la drogue, mais j'aurais peut-être dû attendre pour le prendre. Après, ceci dit, je vais aller très vite donc. Je vais vite. Ok, faut rentrer là, faut rentrer à la maison. Ça va très très vite. Je vais pouvoir améliorer la foreuse, du coup, c'est bien. Et j'aurai le vermifuge au prochain tour, donc c'est tant mieux. J'ai toujours pas passé le palier 2. Ça, c'est un cauchemar. Oh, le petit chat. Vous avez vu mon petit chat? Mon petit chat. Ok, ça, c'est bien. Le problème de eux, là, c'est qu'ils sont beaucoup trop loin. Arrête Bernard, t'es chiant. Faudra vraiment que j'améliore le coup des stocks aussi parce que c'est ridicule là. Ok. Petit coup de vermifuge là. Ah, je suis encore sous l'emprise de la drogue. Ah, c'est déjà un peu moins galère là. C'est bien. Ah bah voilà, très bien ça. En plus, ça va tomber direct dans le monde charge. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est un gros gisement. Hein. Enfin non, c'est pas un si gros gisement que ça, d'ailleurs. Render to Caesar what is Caesar. Pas dingo. Mais ça peut quand même me permettre d'améliorer soit mon arme, soit ma capacité de remonter, ce qui est pas négligeable. Hein. Ce qui est carrément pas négligeable. Je sais pas si je vais plus vite dans le monde charge en descendant. J'ai pas l'air. Ça a l'air d'être que pour remonter. C'est un peu dommage. Faut que j'élargisse un peu le passage là. Sûr que ce soit pas trop la galère. Il y avait de la roche plus friable à droite. Je sais pas pourquoi j'y retourne pas, mais c'est pas grave.
Bon, là, ça a l'air d'aller aussi. Enfin, un peu d'espoir. Enfin, vite fait. Hein. Parce qu'au final, on n'a rien trouvé. Et... continue de creuser, ce sera sûrement de la merde au bout. Donc... ah, j'ai été mauvaise langue. Oh non, ça va. Petit gisement sympa. Par contre, faut rentrer là. Faut rentrer d'April. You need to go back. Oh, ça va être compliqué. On va peut-être abandonner les trucs en chemin. Yatta! Déjà au lit devant ton live et j'entends Monsieur Pivoine qui chante l'international. Ah, c'est bien ça, c'est bien. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain. L'international. Si vous n'étiez pas au courant, vous êtes sur un stream de gauchias, hein, c'est normal. Ce qui se passe là est normal. Oh les saloperies. Oh j'en ai eu qu'un, Sage. Aïa, aïa, aïa. C'est long, c'est complexe. Debout les années de la terre, en debout les forces de la fin. La raison de notre colère, c'est l'éruption de la fin. Passez, faisons table rase. Incroyable, hein. Ici, il vient me voir en mode papa, il fait du bruit. Oh, mon pauvre petit chat. Et attendez, mais je suis le master bouffe. On est d'accord que j'avais un gisement au bout, là. Oui, je suis vraiment très con. C'est bien ce que j'étais en train de me dire. Moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur que la théorie se valide. Et en fait, il s'avère que peut-être elle s'est validée un peu. Non, bah, c'est pas grave. Ah, oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Nesty est de droite. Nesty est sûrement de droite. Est-ce que quelqu'un peut aller vérifier si... Nesty, c'est de droite ou de gauche? C'est très important, c'est pour le lore. J'ai 8, donc je devrais pouvoir améliorer ma vitesse aussi. Ou alors mon arme. Mais vous savez quoi, je vais profiter pour dégager un peu, là. Dégager un peu ça. On a trouvé qu'un gadget pour l'instant, c'est un peu naze. Hein. C'est un peu naze, quand même. Oh, petit chat. Bonjour, petit chat. On aura le vermifuge au prochain tour, ça c'est bien. Ouais, je vais mettre un peu de vie. Ah, mais la foreuse est déjà bien améliorée, hein. Sinon, je fais retour à l'envoyeur accéléré. Ça, c'est vrai que c'est un vrai gain de pouvoir d'achat. Et la vitesse. Merde, j'ai pas pris le bon. J'ai pris le retour à l'envoyeur de quelconque. Pas grave. C'est pratique, quand même. Évidemment qu'il est de droite, il ne connaît que l'oppression et l'asservissement de ses parents. Tout à fait. Tout à fait. C'est de droite. Ah non, je voulais le retour à l'envoyeur rapide, je suis trop con. Ah, et cette vague-là, elle va être chiante parce que... voilà, des petits affreux. Des petits animaux. Ah non, pas cette ref. Aïe, 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 pas cette ref. Ça, c'est une ref cryptique. Si je vous dis les petits animaux... se mettre des bitures, les petits animaux conduisent des voitures. Est-ce que vous avez cette ref éclatée au sol? Merde, le vermifuge, j'ai pas encore là, au secours. Éclataxe et en plus très vieille. Pas la ref des os. Ah, terrible. Les petits animaux. C'est une vieille vidéo d'internet qui n'existe même plus. Elle a été re-upload. Je pense. No sorry. Ah, terrible. C'est une vieille vidéo d'internet très très space. Je vous la mettrai dans la section what the fuck. Ou alors peut-être que... oh si, Ada, tu te rappelles de ça. Aslev, oh si, Aslev. Aslev, on lui avait forcément montré ça. Mais je suis sûr qu'Ada, il se rappelle de ça. Est-ce qu'il y aurait moyen éventuellement qu'Ada nous mette ça dans le salon what the fuck du Discord? Pour en faire profiter tout le monde, évidemment. Dans un souci d'amélioration qualité constant. Je peux pas... en fait, je peux pas vraiment chanter la suite de la chanson parce que c'est assez...
C'est assez peu respectable, dira-t-on. Mais voilà quoi, le... l'esprit est là. L'envie est là. Faut remonter, Daprine. J'ai pas utilisé le vermifuge, ce qui est très con. En même temps, j'ai pas trouvé grand chose, donc c'est pas plus mal. Un petit deuxième gadget là, un jour, non? Il faudrait peut-être que je creuse à droite aussi. De toute façon, ça va se voir. Putain, ça remonte vite, ça. Ok. Non, mais j'ai pas de fer, de toute façon, ça sert à rien, quoi. Le délit de Isaac commence bien. Ah, oh! Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des dingueries? J'ai 7 de cobalt, après je peux me réparer, je suis pas à poil. Oh non, ça y est, l'affreux débarque. Oula, il a pris ta roule. Bon, lui, il faut que je le sorte très vite parce qu'il va me saouler. Mais du coup, j'aurai pas le coup des stocks pour les petits affreux de merde, là. Voilà. Ça va, c'est long, c'est pénible. Aïe! J'ai pas trop aimé, mais... Après le début, perso... Mais je lui ai pas donné sa chance, d'accord, ok. Fois. Je fais pas les daily d'Isaac, c'est peut-être un truc qu'il faudrait que je fasse un jour. Peut-être le truc qui permet de vraiment s'améliorer, de faire les daily d'Isaac. Ah d'ailleurs, monsieur Nain, j'ai réussi bleu bébé vers Isaac. Ça y est. Du coup, Isaac a le D6. Je sais plus ce que fait le D6, mais... C'est quoi le D6? C'est un reroll? Oh, GG, merci. C'était compliqué, hein. Mais on s'en est sorti. Oh, la drogue. La drogue. Je prends de la drogue. Il prend de la drogue. Ah oui, oh oui, oh oui, 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 oui. Le D6, c'est le début du rigolol. D'accord, ok. Bon, tant mieux. Et du coup, il remonte le gadget ou pas? C'est une vraie question. GG, le D6, ça va changer les game Isaac. Magnifique. C'est un peu ce que je voulais, hein, au final, donc c'est rassurant. Oh! Vu. Putain, le brouillard de guerre, il est assez vénère dans ces coins-là, quand même. Oh là là, j'y crois à mort, on peut se le trimballer sur 10 km comme ça. Ah merde, deadlock. C'est fini. Sage. Allez, on va remonter tout ce merdier là, si on y arrive. C'est pareil, il faut que j'élargisse le passage là, sinon ça ne marche pas. Mais le petit gadget en plus là, la sonde ou alors le laser étourdissant, on pourrait commencer à rire un peu. J'adore rire. Ah! En encre tout, c'est nul. Bon, allez, je prends la TP. La TP en vrai, c'est assez décent. Mais il me crache dessus là, on est d'accord? Petit bâtard là. C'est de la merde, ça. Hein. Certified de la merde, ça. Hein. Ça va être long. Pénible. Ok, ça va. Allez, allez, allez. Téléporteur, ça va bien m'aider, mine de rien. Roche compliqué là à gauche. Il va pourtant me falloir du fer. Hein.
Allez, allez. J'y crois à mort, hein. Un gisement de fer. Eh bien non, de l'eau de merde. De l'eau nulle. Ouh là là, compliqué ça. Un peu stupide ce que je fais. Faut que j'arrive à avoir le réflexe de backdash très vite pour remonter. Ah, cobalt. Ouh. Oh, le gros gisement, là. Oh oui, 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 oui. Ouais, par contre, grille pas trop. Tu viendras le rechercher, c'est pas grave. Plus de maman, faut qu'on parle quand tu ramasses de l'eau. Si, je l'ai fait tout à l'heure, mais... Maman, faut qu'on parle. C'est vrai que... Monsieur Nain qui rappelle aux traditions, quand même. Ça, c'est beau. D'apprendre la vie, mais en fait, faudrait aussi prendre l'arme parce que ça commence à devenir un peu ridicule là, mon armement. Ok. Oh non, ça y est. Les poulets arrivent. Ça, c'est le coup dur. Hein. Ça, c'est le coup dur de la run. Les poulets tos. 22. De quoi? Ah oui, je vais la déconder. Oh, c'est de la merde. Oh, c'était bien de la merde ça. Aïa, aïa. Mais je vais crever en fait, je vais juste mourir comme une merde là. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Merci à tous. Mais il y a le vermifuge, ça c'est une bonne nouvelle. Le vermifuge, la TP, on voyage. Ok, ça c'est de la terre friable, donc on va pouvoir aller récupérer le gisement assez vite, c'est bien. Ou pas. Bah ben voilà. Bon, on a le vermifuge après, mais... C'est long. Ah, c'est long, on s'emmerde. Encore? Non mais c'est... Faut arrêter. Faut arrêter ça. Ah, ça devient gavant, là. Ça m'amuse plus, là. Ça me fait plus rire. Bah, génial. Allez, de la roche un peu plus friable, là, qu'on avance. Un peu plus vite, par pitié. Au secours. Ah oui, c'est bon. Ok. Ok, là, on a un beau dépôt, là. Ça, c'est beau, ça. Ça, on aime. Ça, on aime beaucoup. Il faut que j'améliore la TP pour qu'elle aille plus vite, aussi. Parce que pour l'instant, c'est long et chiant. Long et pénible. Profiter un peu, rentabiliser un peu, j'allais dire la drogue, mais non, le vermifuge. Surtout que là, on a une belle fournée. Hein. Surtout qu'on avait déjà... Oh, encore. Putain, jamais assez, trop bien. Trop bien. Je peux peut-être arnaquer un peu. Oh oui. Ça va le faire, ça va l'effectuer. À 12 de fer, là, on va bien monter à 20, 25, je pense, avec tout ce qu'on a en bas. Juste le deuxième... C'est très bien, c'est très bien. Alors, il faut que j'améliore absolument mon épée, parce que ça devient ridicule. La lame lourde. Ok. J'avais dit le téléporteur. Voilà, juste la vitesse. Et peut-être la vitesse des orbes aussi. Ah, j'aurais peut-être pu mettre un peu là-dedans aussi. Oh, la grosse épée. Enlarge your épée. Mon coup des stocks pue toujours la merde, au demeurant. Arrêtez, arrêtez, ça devient... Ah, j'avais dit retour à l'envoyeur rapide aussi. Ça va commencer à être must-have, ça. Oh oui, il a pris le retour à l'envoyeur là, très bien ça. J'ai pas de vermifuge, donc téléporteur.
Putain, mais j'ai un de fer là-haut, ridicule. J'ai laissé traîner comme un con. Oh, le gros gisement là. Non, attends, s'il te plaît, fais un effort. Fais un effort, stop. Je peux laisser traîner ça. Oh la drogue, la drogue, la drogue. La drogue. De l'eau, maman, faut qu'on parle. Édition 2600. Je vais remettre un petit coup de Jean Mineur là. Je sais que ça vous manque. Ok, bon là il y avait eu un gisement, donc à mon avis on trouvera pas grand chose sur cette ligne. Non, voilà. Sage. On a la drogue, on va pouvoir monter assez vite normalement. Peut-être même qu'on va pouvoir embarquer des trucs sur le chemin. Ce serait bien. Ah, faut peut-être pas abuser des bonnes choses quand même. Ça va l'effectuer, ça va l'effectuer, ça va l'effectuer. Je veux pas jouer avec le feu quand même. Bon, ça va, j'arrive. Ah, puis on aura le vermifuge là au prochain tour. Ok. Je vais remettre de la vie. Je vais peut-être même améliorer ça là, tiens. C'est un peu dommage parce que du coup j'ai perdu la. Ah, il me laisse la vie en plus. Tain, il est gentil. Il est sympa. Enfin, j'ai 19 de flotte. C'est un peu con. Pas ce que je voulais faire. Retour à l'envoyeur up aussi, hein. Il le faudra un jour. Wouah! Putain, il s'est liquéfié le machin. Ah, oh, saloperie, je le déteste. Les canards, merde! Mince. Petit canard. Oh, il s'est fait défoncer la gueule. Il s'est fait démonter le canard. On n'attendait que ça, vraiment. Et on creuse. And again. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, d'accord. On m'a redonné ce skin pourri. Le spooky skin. Il sert à rien, mais pourquoi pas. Un peu drôle, lui. Il s'est fait défoncer le canard. Tu veux dire qu'on lui a laqué la gueule? Exactement, monsieur Thor. Je vois que vous n'avez pas perdu de votre vivacité. Allez. Petit gisement, là, de fer. Ah, bien. Évidemment, c'est à l'autre bout du monde, hein, donc pas du tout casse-couille. Ah, attendez, je peux peut-être faire le petit train, là. Technique de prankeur. On adore. Ah, ça marche pas toujours. C'est le problème, c'est l'inconvénient. Je les ai déjà un peu avancés, c'est déjà bien. Oh merde. Ok. Ah putain, j'ai 10 de fer, c'est bien ça. C'est très très bien ça. Bon, là, j'ai le temps, j'ai le temps. 10 fois le temps d'y retourner, de récupérer des trucs. Et je pense que je vais améliorer mes capacités de transport. Ouais, voilà. Ça commence à devenir un peu complexe, là. Mine de rien. Faut remonter, c'est long. Allez, on arnaque bien. Ouh là là, ça va être limite, ça va être limite, ça va être très limite.
Ça va être très limite. Vite. Oh mes aïeux, ok. Ah, c'est 8, mince. Mais je peux améliorer le... Voilà. Très bien ça. Les canards. Les coins coins. Oh non, un seul c'est nul. C'est vraiment naze. Voilà, par contre je vais faire une boucherie, ok. Ah le bâtard. Ils m'ont feinté. Oh là là, j'ai cru que j'allais pas l'avoir celui-là. Je m'en serais voulu, très très fort. Il restait des trucs dans ce trou-là, oui. Ok. Allez. Let's go. Oh oui, encore, jamais assez, hein. Putain, la gridance absolue. C'est quoi ce pouic-pouic? C'est quand il... Ah, c'est quand il prend un... Ok. Je savais pas que ça faisait ça. Mais très bien. Le fameux pouic-pouic. Ah mince, mais j'ai pas été très loin, là. La ligne du dessus, elle est pas faite, là. C'est ridicule. Faut pas rater ça. Ah, mais j'ai encore amélioré la vitesse du monte-charge, donc c'est fine. Je vais avoir le temps de remonter, même avec des ressources. Ok, on va rentrer, parce que là, c'est limite... Sinon, au pire, j'ai la TP, hein, si vraiment ça pue. Ouais, voilà, c'est bien. Oh, si ça remonte... Oh là, oh la vache. L'hyper vitesse, quoi. Beyblade, quoi. Et on aura le vermifuge tout à l'heure, ça sera bien pour remonter les trucs. 8, c'est un peu... Ah, mais non, j'ai le retour à l'envoyeur accéléré, du coup. Très bien, tant mieux. That's fine. Oh là là, ce que j'ai foutu là. Il est énorme ce coup des stocks. Jean-Marie, vous avez une range incroyable. Ouais! Aïe. Ok, bon, là j'ai le temps. Clairement là j'ai le temps, donc on va en profiter pour creuser dans ce coin là. On sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une dinguerie, hein, dira-t-on. Ah, oh, la belle prise. Bah voilà, très bien. Je crois que c'est que ça. Ah, c'est le TP à sens unique, ouais. Mais je crois que ça marche qu'une fois, c'est un peu nul. Putain, mais il y en a tellement partout, quoi. Quel enfer. Ça dégueule. Ok. On arrive sur un secteur encore en dessous, là c'est bien. Hors de loup. Tellement chillax de creuser les trous.
Paf. Ah, on commence à pouvoir transporter des sacrés paquets là, c'est bien. C'est tant mieux. Puis on va remonter de toute façon en mode... C'est de l'hyper vitesse là. Oh, j'ai le temps. It's fine, everything's fine. Putain, on est déjà à 18 et on en remonte encore des quantités. Quel enfer! Voilà, on va arriver à 30 fastoches, hein, je pense. Oh, ya. Non, reviens. Ah merde, c'est le combat déjà, ok. Timing serré, hein. Alors, je vais peut-être améliorer ma grosse épée. J'ai mis beaucoup de trucs dans les solutions offensives là. On pourrait peut-être me calmer un peu. Mais quoi que ça, c'est bien hein, quand même. Vitesse des orbes aussi. Ah non, plus un orbe. Prédiction de la visée, ça c'était God tier. Coup des stocks renforcés. Ça peut être bien parce que mon coup des stocks il pue un peu la merde quand même. Et je vais améliorer ma. Je pense c'est quoi ça? Ralentissement lors du transport. Ah ça c'est bien, je vais pouvoir en ramener les quantités ridicules. Je vais garder mon fric je pense. Tunda! Oh oui! Oh oui, ça fait très mal tout ça. Oh les coins. Mais non mais je suis vraiment un bouffon, hein. C'est assez hallucinant. Du coup, je suis pas bien timé, du coup, c'est de la merde, voilà. Aïe! Bon, ça va, on a beaucoup de. On avait quand même beaucoup de ressources, donc ça va. J'ai rien amélioré, du coup. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine. Oh! Oh oui! La dinguerie! J'avance quand même un peu. Sait-on jamais. Ah, ça redevient compliqué là. Aïe. Et merde. Bon, ça c'est la lane pourrie. Hein. Oh oui, la vache, putain, c'est dur. Hein. La lane cursed à fond, quoi. Ah non, ça redevient correct. Let's go. Ah et merde. Voilà, après maintenant, faut pas trop que je m'inquiète parce que j'ai le monte charge en méga speed up, donc c'est fine. Faudra que j'améliore la foreuse. Hein. 4-18 de fer, c'est pas assez. Dommage. Parce que là, en vrai, en termes de vitesse et de capacité de transport, je commence à être pas mal. C'est juste... La foreuse, on sent que ça devient compliqué sur certaines zones. Et là, hyper vitesse. Oh bah, ce sera quand même compliqué. Hein. Je crois qu'on va arriver quand même un poil juste. Hein. Ouais, on arrive, mais c'est limite. Hein. Il aurait pas fallu plus traîner. Ah, le laser étourdissant. Bon, même si creuse tout, il est marrant. Le laser étourdissant, c'est God tier. Allô? Ah, attendez, il faudrait que je l'améliore aussi assez vite. Parce que là, de toute façon, j'ai pas de fer qui arrive, donc. Alors, ça, déjà, ça coûte rien, c'est bien. Ensuite, les dégâts, ensuite la vitesse, ensuite le temps de refroidissement, et ensuite, les dégâts, quoi. Je suis pauvre, je suis maintenant titulaire d'un PEL à 0€, mais bon. Oh les coins. Merde, mon écran qui flicker, au secours. Ça fait longtemps qu'il me l'avait parfait, tiens.
Mince. Avec un peu de bol, j'aurai le coup des stocks pour les coin-coin quand ils sortiront. Voilà, comme ça. Oh dommage, le petit air, je l'ai loupé. Oh non, c'est nul ça. Ok. Bon, pas de vermifuge, c'est dommage. Ah oui, très bien. Bon, ça, ça va, c'est fine. C'est pas trop dur à creuser, ça. Allez, vers la droite. Ah, il y a le vermifuge, dommage. Pas grave. C'est dur. C'est chiant. Ok. Alors là, c'est vraiment de la roche de merde. Hein. Là, on voyage. Le vermifuge, mais oui, il faut remonter. Après, je vais remonter à vide, là, sûrement, donc... Ou alors, avec un peu de bol, je retrouve un petit gisement. Ah bah voilà. Des fois, il suffit de le dire, en fait. Donc, par contre, je sais pas si je vais remonter grand-chose, là, vu le timing. Ou alors, si, mais je remonte vite fait, j'active le vermifuge, mais c'est un peu de la perte de temps, donc je pense que je vais garder le vermifuge pour le... pour la prochaine... vague, et on reviendra chercher des trucs ici, c'est bien. Je vais même pas trop en remonter en vrai pour gagner du temps. Oh, quoi que si, j'ai quand même le temps de remonter un peu là. Pas abuser. Voilà, au moins 4 quoi, pour le beau jeu, le beau geste. Puis prochaine vague, du coup, on va se marrer un peu. Prochaine vague, on va se marrer. Tunda! Oh là là, ils ont même pas le temps d'arriver. Pauvre gosse. Oh, et ça, ça repart à l'envoyeur aussi, c'est bien. Ah déjà, putain, c'est bien. Very well. Et ça, faut le redescendre parce que il... à porter là. Ok. Oi, oi, oi. Allez. Putain, on commence à en ramener des sacrés fournées. Hein. C'est bien, je vais pas m'en plaindre. Une fois qu'on est un peu efficace. Avec quoi on va même aller piquer. Ah bah, magnifique. Magnifique, magnifique. Ouh là là, ça devient difficile là. Après avec ce qu'on remonte, on devrait pouvoir améliorer la forêt, je crois que c'est 20. Allez. Oh là là, c'est dur. Hein. Putain, c'est compliqué. Hein. Oh, putain, c'est compliqué, mais ça s'arrête jamais. Hein. Ah, je peux plus bouger, ça y est. Je ne peux plus bouger, fou, ça fait gagner. Putain, quel enfer. Jamais assez. Hein. Mince, il y en a un qui est retombé. Oh, terrible. Sage. Allez, ça va être de la roche ultra friable, j'y crois à mort. Voilà, nickel. Oh putain, et là, on va remonter une tripotée. Hein. Oh! Oui! Petit gadget, là. Bah, ce sera pour la prochaine. Là, j'ai pas le temps de le récup. Ok, roche de merde, on se barre.
Vite. Plus vite que ça. Oh, putain. Oh, les doses, toi. Les quantités qu'il y a, c'est indécent. Mais c'est bien, c'est bien. Ça va pouvoir... ça va permettre de soutenir l'effort de guerre. Pas besoin de mettre un coup de réparation, là, on est bien. Oh, les poulets! Les petits canards! Bon, là, le laser va faire son taf tout seul. Vas-y, va attaquer les petits potes, là. Non, mais... Il est con! Bon, ça... Ouais, ça découpe quand même pas mal, c'est bien. Vite, 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 vite! Oh merde, 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 l'affreux. L'affreux est de retour. Aïe! Oh putain, ils font mal en plus, ces salauds. Oh bordel! Ok, 20, c'était pour la foreuse. Il y en a qui remontent là, c'est bien. Complètement con ce que je fais, c'était déjà à moitié remonté. Oh putain, quel enfer. J'aurais juste dû TP, je suis un peu bête, mais c'est pas grave. Ça y est. Là, les condés. Oh, de l'eau. Du cobalt. Magnifique. Petite prise, mais prise quand même. En vrai, le cobalt, c'est mon assurance-vie parce que ça me permet de réparer le dôme, donc c'est important que j'en ai des stocks stratégiques. Et en vrai, je pense que je prendrai plus souvent... vous voyez, avant, j'étais un petit peu réticent à prendre l'amélioration pour voir le nombre de ressources qu'on a, et... Plus j'avance dans le jeu, et plus je me dis quand même que c'est pas mal. C'est sympa. Prochaine vague, j'ai le vermifuge normalement. C'est-à-dire que j'aurai le temps d'aller récupérer ce gisement tranquillou. Ah ouais. Là, il y a un plaisir. Peut-être un peu ambitieux, mais on va peut-être pouvoir améliorer et la foreuse et l'arme. Parce que là, putain, c'est des... j'en avais encore plein en pending. Voilà, vous savez quoi, je vais essayer de blinder autant que je peux et puis de remonter avec tout ce merdier là. Oh merde, merde, mince, mince, mince. Oh, il y en a qui va pas passer. Si, c'est bon. Oh non, ça va tomber. Oh, shit. Quel bordel. Le petit train, le petit train. La boule magique. Football, football. Ah oui, 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 magnifique. Et on remonte. On va juste en dropper un peu parce que sinon, on va pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'ils sont quand même pas très loin, les affreux, là. Ça va l'effectuer. Et on a le vermifuge, donc ça veut dire qu'on peut redescendre. Chercher tout le merdier en bas là. Alors attendez voir, j'ai la grosse épée à 20, j'ai la foreuse à 20. Là ça monte à combien? Ça va bien monter à 40. Ok. Grosse épée, foreuse. Et ensuite ce sera ça, je pense. Mais ça s'arrête jamais, hein, c'est. Oui, coin coin. Faudra que j'améliore le coup des stocks aussi, parce qu'il commence à puer un peu, là. Hein. Merde, 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 merde. Oh, j'ai foiré, j'ai bien foiré, là. Putain, c'est quand même pas évident à manier, cette merde, hein. Oh non, c'est dommage ça. Oh, bah vu. Je crois que j'avais quasiment tout ramené de là-bas. C'est pas grave, je recreuse une lane, jamais assez. Hein. Ça va être déjà mieux là.
Ah non, je vais pas du tout tout ramener. Il en restait en fait beaucoup. Il en reste 7, c'est pas non plus dingo, mais... prendre ce qu'on peut, hein. Ah bah oui, bah bien sûr. Ça devient pas du tout ridicule, c'est ça qui est bien. Ah, c'est quand même... même avec la foreuse améliorée, ces trucs-là, ça passe difficilement. Oh, de l'eau. Je vais pouvoir encore bouger, là, ou... Ah, c'est compliqué, hein. Normalement, on devrait arriver au bout de la lane, quand même. Incessamment sous peu. Ouais. Mais attendez, j'avais pas trouvé un gadget, tout à l'heure. Je sais pas si j'ai été le rechercher, en vrai. C'était sur la droite, il me semble. J'aurais été con à ce point-là. C'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Pas qu'avec la carte Kiwi. Je me souviens plus si j'étais cherché. Je crois que je l'avais découvert et que j'avais dit « Oh, celui-là, je le laisse là parce que... pas le time. » Je suis vraiment le roi des cons. Hein. Et bonsoir, Cabo, comment vas-tu? Petit Bernard Arnault, là. Coucou, Cabo. Comment ça va? Petit Bernard Arnault, là, très très bon tirage. Hein. J'espère que tu vas bien. J'avais oublié le gadget. Hein. Je suis quand même... des débiles, j'en ai vu, hein, mais là... un peu fatigué. Semaine de gauchiste chargée. Ah, aïe. Bon, écoute, c'est le week-end, hein. Savourons cet instant de félicité qu'est le vicande. Après, là, j'ai le gadget. Ça prend quand même beaucoup de temps de remonter le gadget. J'ai appris que Xavier Niel était fan des catacombes. Ah bon? Ah ouais, passion de riche. Hein. Passion de riche, c'est des fois bizarre. Toujours extravagant. Allez. Oh, ça va être limite. Oh, ça va être très très limite. Je veux juste remonter le gadget, moi. C'est tout ce qui m'importe. Oh non, ça va le faire. Ça va le faire. Et il faut que j'élargisse ici aussi, parce que à chaque fois, je me... un autre fan l'y a rencontré. D'accord. Trop marrant. Trop marrant. Condensateur convertisseur de ressources. Ah putain, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Oh, Patrick Drahi, très beau tirage aussi. Profond aminoé, ça commence à se voir, là. Bah, de l'eau, j'en ai beaucoup, quand même, hein. On va prendre le convertisseur. Peut-être qu'avec un peu de bol, ça peut me permettre de convertir genre du cobalt ou je sais pas quoi. Ah non, pas du tout. C'est même assez merdique. Mais il faut peut-être que je l'améliore aussi. Faut que j'améliore mon coup des stocks. Fini troubleshooter. Ah! Parce que ça se finit un jeu comme ça? Oh, il y en a encore deux, je les avais pas, j'avais pas vu l'autre. Ça va, c'était tranquille. Ça peut se finir, bien entendu. C'était une blagounette, sûrement, je me doute. Ouais, on est d'accord, j'ai pas du tout été au bout de cette ligne. Hein. Toi, d'après, ça va. En fait, oui, ça va, tranquille. J'ai passé la journée à monter des meubles, comme j'expliquais tout à l'heure. Dans mon nouvel appart, après y avoir passé une nuit, donc c'est cool. Réception de commandes Ikea, ça avance sur le sujet de la chaudière de ses morts. On a enfin accès à notre compte MyNexCity pour pouvoir payer nos loyers et voir nos échéances et machin. Nouvelle appart, c'est cool. Oui, oui, c'est très très cool. On a des sujets qui se débloquent, donc c'est bien. Après, encore une grosse inquiétude sur la fibre. Ils étaient quand même censés venir l'installer le 2 novembre, il n'y a eu personne. Et ça fait... j'ai littéralement rappelé 3 fois depuis. C'est un peu casse-couille, quoi. Donc ils sont censés me rappeler samedi. Si j'ai pas de réponse, je vais leur péter les couilles. Hein. Mais surtout qu'en plus, samedi, j'ai le temps. Moi, je les appellerai entre le stream qu'on fait avec Pivoine. Oui, parce que samedi après-midi, avec la Pivoine TV, on va jouer à We Were Here Forever. Cette fois, je l'abandonne encore. Et le soir, comme ma coloc n'est pas là, je vais aussi streamer. Je ferai juste une pause de 2 heures de 17 à 19. Donc je pense que j'appellerai Bouygues à ce moment-là. Et puis après, on reprendra sur... je crois que j'ai mis Isaac. J'ai pas mis de Hades. Après, en même temps, on a fait du Isaac lundi soir, mais c'est vrai que j'ai une furieuse envie de jouer à Isaac, quoi.
C'est quoi le problème de chaudière? Alors, il y a un petit oiseau qui a fait son nid dans le... dans la ventouse d'évacuation de la fumée. Donc il y a un défaut d'extraction sur la chaudière qui du coup n'évacue pas les fumées, donc elle ne démarre pas. Mais bon, en même temps, l'appart a été inoccupé pendant un an avant qu'on arrive, donc c'était prévisible que ce genre de conneries arrive, quoi. Et non, c'est pas du neuf, enfin c'est pas du neuf, c'est un immeuble qui a 10 ans. Donc ça reste un immeuble assez récent au niveau normes énergétiques, c'est bien. C'est... là par exemple, il y a pas de chauffage, il commence à refaire froid, il n'y a pas de chauffage. Dans l'appart, parce qu'il n'y a pas de chaudière. Et franchement, on n'avait pas trop froid. Moi j'étais bien, avec un pull, j'étais bien, quoi. C'était quoi ton histoire de pouvoir enfin payer? Non, mais en fait, si tu veux, on n'avait pas accès... on a payé par virement le premier loyer, mais Next City nous met à disposition un compte qui, normalement, te permet de payer en ligne. Et moi, j'aime bien payer mes loyers en ligne, je trouve que c'est pratique, en fait. Tu fais un mandat de prélèvement CEPA qui n'autorise que les paiements ponctuels, donc à ta demande. J'ai ça là sur ma location actuelle, donc en fait j'ai juste à faire 3 clics et mon loyer est payé et je suis tranquille, quoi. Et je choisis quand même la date, parce que le prélèvement automatique c'est casse-couille. Et du coup tu stream en direct depuis ton appart? Non, je suis encore dans mon ancien appart. Moi je paye par virement manuel. Alors c'est ce que je faisais avant, mais en fait je trouve ça assez casse-couille. Parce qu'il faut rappeler le numéro de bail, machin, dans ton ordre de virement, c'est le genre de truc qui me rend ouf. Donc maintenant je me fais plus chier, je fais ça, mais c'est pas une autorisation de prélèvement, il faut que la demande vienne de moi, donc ça veut dire qu'il peut pas me prélever automatiquement, et ça je veux surtout pas que ça arrive. Je veux surtout pas qu'il me prélève automatiquement, parce que c'est un coup à te faire baiser sur un nombre incalculable de points, et comme on connaît les agences immobilières, hein, on sait que c'est pas les enfants de cœur, donc j'aime bien leur laisser le moins d'amplitude possible sur ce sujet, quoi. Je fais un virement à un particulier, c'est plus simple. Ah oui, mais parce que t'es en... y a peut-être pas d'agence... derrière ton appart. Oh, la grosse épée. Oh. Et je sais plus ce que je te disais. Non, non, je suis pas encore dans mon nouvel appart. Là, on emménage la semaine prochaine. Déménagement le 19. Donc, normalement... Bientôt, Inch'Allah. Oh, putain, la vache! Très bientôt, Soon TM, on va pouvoir commencer à s'amuser un peu. Pas d'agence, c'est la grand-mère d'un ami d'enfance. Oh, c'est bien. C'est bien. Tant mieux. Mais c'était pas vous qui aviez un souci avec une vieille folle, là, ou un vieux fou qui vous pétait, qui pétait un câble à cause d'une place? Et ben, je crois que Jane avait raconté un truc comme ça une fois, ou alors je confonds, mais... le syndic de copropriété, ce sont des vrais branquignoles. Si, c'est nous, d'accord, je me disais bien. Oui, non, mais les syndics, bon, voilà. Hein, on connaît les beaux. Hein. Si, les syndics, c'est vraiment des cons. Hein. Souvent, c'est vraiment des cons. Bah là, les miens, ils me font des trucs gratinés. Ah, je vous ai jamais raconté ça, faudrait que je vous raconte. Mais après ma pause. Faites-moi penser à vous raconter l'anecdote de mon syndic débile, après ma pause. Qui avait fait quand même un coup assez magistral, hein, faut le dire. À base de trigger warning, j'envoie un mail méga salé parce que le locataire n'a pas respecté un délai. Et en fait, non mais je vous raconterai après. Il la rend. C'est vraiment des bouffons. Je suis désolé si des gens dans le chat travaillent dans une agence immobilière. C'est pas contre vous, mais des fois, franchement, il y a des gens dans votre profession, on a envie de les baffer, quoi. Et je pense à juste titre. Il y avait la fois aussi où, comme ils ont vendu mon appart, la propriétaire de l'appart voulait revendre le bien. J'ai dû me taper des visites et je suis tombé sur l'agent immobilier vexé parce qu'en fait il était en retard. Il a voulu faire croire que c'était pas le cas. Donc c'est moi qui ai assuré la visite et il a eu tellement peur que je dise des trucs méchants sur l'appart qu'il a essayé de me faire fermer ma gueule. Ça c'était très drôle aussi, je vous raconterai. Je remonte là. J'ai le temps de redescendre avec un coup de vermifuge. Non, je vais le garder pour la prochaine vague. Et je vais aller au cabinet. Je vais aller au cabinet. Et je vous remets de la musique du coup. On va faire une petite pause. Toujours pas couper le replay, mais c'est pas grave. Hop. Petit chipzel, j'espère qu'on va pas se faire DMCA. Je vous fais des bisous les jeunes, je reviens dans 5 minutes. A tout de suite. A few moments later. Oh, la grosse musique de Jim Guthrie. Héreux. La grosse musique bien grave de Bilo. Alors attendez, preuve à l'appui sur mon Telefunken, j'ai retrouvé l'échange de mails. Exceptionnel. Nous, ils nous ont mis des lettres dans chaque boîte aux lettres
un extrait de règlement de copropriété pour le bruit, alors que c'était vraiment pas bruyant en ce moment. Mais j'attends toujours qu'il réponde à mes demandes d'accès au règlement de la copropriété. Non mais typical, typical. Nous on n'a pas le droit de faire sécher du linge sur nos balcons. Ne me demande pas pourquoi. Voilà, on n'a juste pas le droit. Tout le monde le fait, hein, mais on n'a pas le droit. Donc on se reprend un rappel au règlement tous les 6 mois. Vous n'avez pas le droit de faire sécher du linge sur votre balcon. Oui, je t'emmerde. En fait, accessoirement. Quand tu me donneras une raison logique pour ça, peut-être que je ferai un truc. Alors, donc elle m'envoie le mail. Bonjour monsieur d'April. À ce jour, nous n'avons pas d'attestation d'assurance en cours de validité dans votre dossier. Nous vous rappelons donc vos obligations de locataire, à savoir de nous l'envoyer tous les ans. Nous vous demandons ainsi de régulariser votre situation le plus rapidement possible et de me transmettre dès réception de ce mail votre attestation d'assurance en vous remerciant. Donc là, je lui réponds. Madame Connasse. Je profite de ce mail pour vous remercier des informations, on s'en fout, c'est un autre truc. J'avais envoyé mon attestation d'assurance il y a plusieurs mois, déjà via l'extranet, insérer le nom de l'agence immobilière. Mais je suppose donc que vous ne l'avez pas reçu. La voilà donc. Transmettez peut-être au service informatique que l'envoi de documents sur l'extranet est potentiellement défaillant. Merci d'avance. Bien à vous, monsieur d'April. Monsieur d'April, nous avons effectivement quelques difficultés à récupérer les documents envoyés par l'extranet. Le service informatique est malheureusement incapable de nous trouver une solution. Nous avons fait des mises à jour la semaine dernière en espérant que tout cela fonctionne. Toutes nos excuses. Merci pour l'attestation. Je mets à jour ce jour votre dossier. Je mets à jour ce jour. C'est lourdeau comme tournure. N'hésitez pas à mettre un avis Google sur « Insérer le nom de l'agence immobilière à Nancy ». En général, les clients mettent des avis quand ils ne sont pas satisfaits, mais rarement quand tout va bien. Mais ça ne va pas bien, connasse. Rien ne va bien, là. Tu t'en rends bien compte que ça ne va pas, en fait. L'avis Google. Ça, je m'attendais à tout, mais pas à ça. Connasse. Et alors, il y avait la fois où il y avait... Ouais, taisez-vous de ouf, Asleep. Il y avait la fois où il y avait... Ah oui, combat. Où il y a... Ah, j'ai zéro de fer. Il va falloir trouver un gisement vite. En gros, mon appartement, donc je suis en location actuellement, et l'appart que je loue était donc la propriété d'une charmante dame qui habite à Metz. Évidemment, c'est du sarcasme. Hein. Donc la meuf a déjà essayé de me faire du forcing parce qu'elle voulait absolument revendre le bien. Et elle a essayé de me faire du forcing pour que je rachète son appart, alors que j'en avais rien à foutre. Et donc je lui dis, bah en fait ça m'intéresse pas, si vous voulez, là je viens de monter ma boîte, donc j'ai pas de thunes, je suis chômeur, donc j'ai pas du tout les capacités de prendre un prêt. Et elle m'a fait du forcing en mode, mais si, regardez, c'est facile, vous payez juste un petit peu plus cher que votre loyer et vous devenez propriétaire, c'est génial, c'est trop bien la vie. Donc déjà, voilà, elle m'avait passablement pété les burnes. Et donc j'avais... Elle était en fait obligée de me demander, parce qu'il y a un truc en droit français qu'on appelle le droit de préemption, c'est-à-dire que si tu es locataire d'un logement et que le propriétaire décide de le revendre, il doit te proposer en premier lieu, parce que tu occupes le logement, il doit te proposer de le racheter. Voilà. Et si tu refuses, là, il ou elle est libre de le mettre en vente de manière conventionnelle. Et donc je lui demande, mais vous comptez le vendre à qui? Vous voulez le revendre à des gens dans votre situation pour... Droit de préemption, c'est cool. Non, mais ça, c'est cool. J'ai pas de problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Je trouve que c'est bien. Et là, elle a respecté le truc, donc c'est pas plus mal. Elle m'a fait du forcing parce qu'elle voulait essayer de gratter au maximum, mais bon. Au moins, elle a respecté ses devoirs en tant que propriétaire. C'est pas plus mal. Et donc, je lui demande, est-ce que vous voulez le louer du coup, pour quelqu'un qui veut l'occuper, ou alors le louer à quelqu'un d'autre pour juste du locatif, en fait. La défisque. Et là, elle me dit « Ah bah, je sais pas encore, hein, mais à qui voudra bien le prendre, hein ?» Ah, ça, je peux pas vous garantir, hein, mais peut-être qu'il faudra partir. Hein. Connasse, quand même, un peu. Hein. Sauf que, bon... alors, elle avait pas compris deux choses, c'est que... Déjà, elle a pas le droit de le vendre à quelqu'un si je suis dedans. Elle a pas le droit de le vendre pour autre chose que du locatif. Et si elle veut pouvoir le vendre, il faut que le logement soit vide. C'est-à-dire qu'elle doit m'envoyer un courrier me disant que j'ai 6 mois pour quitter le logement. Et que du coup, voilà, au bout des 6 mois, elle sera libre de le revendre, mais il faut que j'ai quitté le lieu. Problème, c'est que cette règle n'est applicable que si la fin du bail est dans plus de 6 mois. Et là, la fin du bail avant renouvellement était dans moins de 6 mois. Donc en gros, elle pouvait pas le vendre avant le renouvellement tacite du bail, plus 6 mois. Donc en gros, il fallait qu'elle attende 11 mois, parce qu'il restait 5 mois,
11 mois avant de pouvoir vendre son truc. Donc elle a vite compris qu'il fallait le vendre pour de l'investissement, quoi. Enfin, du locatif pur. Et donc j'en entends pas parler pendant presque un an et demi de cette histoire. Et puis un beau matin, il y a Bernard, on va l'appeler Bernard, il s'appelle pas comme ça, mais j'ai envie de dire qu'il s'appelle Bernard. Bernard, du coup, de l'agence immobilière, qui m'appelle. Oui, bonjour monsieur l'April, alors en fait, je suis Bernard de l'agence immobilière, donc je sais pas si vous êtes au courant, mais madame Rentière, votre propriétaire, souhaite vendre votre bien, alors elle va le vendre en locatif. Ah, bon, très bien, bonne nouvelle. Ah, je peux encore améliorer la foreuse. Ouais, je crois qu'avec tout le fer que j'ai trouvé, ça va être un must-have. Hein. Donc, il me dit, est-ce que vous voulez acheter l'appartement, machin. Il me dit pas le prix. Hein. Je dis, bah écoutez, je sais pas trop, je réfléchis, je sais pas, je vais voir. Là, pour l'instant, je pense pas, mais je vais quand même réfléchir à la situation. Quoi. Et en fait, la meuf, quand elle m'en avait parlé, elle voulait le revendre 100 000 euros. Donc, bon... Il s'avère que je pouvais avoir, comme c'était de la primo-accession, je pouvais avoir un prêt action logement à 0,5% jusqu'à 40 000 balles. J'ai une assurance vie dont je vais vous passer les détails, mais en gros j'avais 50 000 balles sur une assurance vie prêt à l'emploi, déjà défiscalisée. Et du coup, il manquait 10 000 balles et j'en parle avec ma mère et je lui dis, est-ce que toi, tu aurais les moyens de me prêter 10 000 euros pour que j'achète le truc, comme ça je passe pas par une banque. Et elle m'avait dit, oui, on peut faire ça. Bon. Donc du coup, j'y réfléchis, je rappelle le gars et je lui dis, bon, en fait, je vais peut-être me positionner. Il est vendu à combien l'appart? 120 000 euros. Le truc a pris 20 000 balles en un an. Quand même. Il y en a qui se font pas chier. Hein. Alors que l'immobilier avait pas particulièrement flambé, hein, mais ils savaient très bien que ça partirait à ce prix-là, donc bah, ils l'ont mis à ce prix-là, quoi. Donc, du coup, je me retire, hein, je me retire, évidemment. Foutu parisien, ouais, c'est ça, mais non, mais à Nancy, quoi. À Nancy, putain. Bon, bref, c'était un peu cher du mètre carré, quand même. Alors, après, l'appart est très bien, mais là, ça me faisait chier sur le principe. Et du coup, bah c'est tout, je dis bah non en fait ça m'intéresse pas, c'est trop cher, je peux pas me permettre ça, donc je vais le laisser à quelqu'un d'autre. D'accord. Donc là s'ensuit le moment très chiant où tu dois faire des visites. Alors ils peuvent pas systématiquement réceptionner les visites, donc des fois c'est à toi de les faire. Et en fait je reçois du coup un gars qui est agent immobilier, donc un confrère de Bernard, qui le visitait parce que sa fille voulait l'acheter potentiellement. Donc... on fait la visite, en plus sa fille elle habite juste à côté, donc trop marrant, c'est dans le même immeuble que là où j'habitais avant. On discute, ah ouais, vous êtes là, machin. Appelons le confrère Jacques, non, oui, voilà, c'est ça. Tout à fait, Jacques. Mais Jacques était fort sympathique, il travaillait pour l'agence immobilière La Forêt, il était très très sympa, Jacques. Et du coup, il me dit, bah, on va peut-être se positionner, je vous redirai. D'accord, ok, bon, très bien. Et en fait, il y a du coup l'agent qui m'appelle et qui me dit « Oui, alors il y a une autre visite prévue demain, vous pourriez l'assurer ?» Oui, oui, c'est possible, oui. Donc demain, à, je sais pas, à 11h30. Ok. Donc du coup, le lendemain, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. « Oui, bonjour, c'est pour la visite. » Ah bon, donc je lui ouvre. Et en fait, je me dis « Ça doit être Bernard. » Je fais pas trop gaffe dans l'interphone, voilà. Et en fait, arrive un homme d'un certain âge, mon propriétaire actuel, du coup, qui en fait n'était pas du tout Bernard, mais qui était le gars qui venait visiter. Et il s'avère que peut-être... Ah voilà, les stocks bombes, c'est bien. Il s'avère que Bernard, lui, n'était pas là. Je me dis, bah merde, il m'avait dit qu'il serait là pour la visite. Alors, je comprends pas bien le délire, quel est le projet, quoi. Pourquoi est-ce que Bernard n'est pas là? Et donc du coup je fais le tour de la visite au gars, il me dit ah bah il est bien, ouais, je pense que je vais le prendre l'appart. Vous savez s'il y a déjà des gens positionnés, je dis bah écoutez je l'ai fait visiter hier à quelqu'un, ils avaient leur emballé, maintenant bon je suis pas dans les. Je suis pas dans les petits papiers de l'agence, donc le fait est que en fait j'en sais pas grand chose quoi. Ah d'accord, bon bah écoutez, on va voir avec. On verra avec Bernard, comme c'est lui qui gère le bien. Oh merde, 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 le con, j'aurais dû faire gaffe à ça.
connard. Bon, très bien, voilà, donc je lui fais faire la visite, c'est tout. Il s'en va ravi. Pourquoi pas. Très bien. Et 5 minutes après... Il en reste, là? Ah oui. Il restait des petits coins-coins. Et puis 5 minutes après, du coup... ça ressonne. Je me dis, bah merde, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi ça ressonne? Oh merde, non, j'ai pas le vermifuge encore. Est-ce que ça vaut le coup vraiment que j'attende pour qu'il se recharge? Je suis pas si sûr. Bon. Pas grave, au pire, je le remonterai et je le réactiverai. Et puis ça sonne. Et là, c'est Bernard. Oui, bonjour, monsieur d'April. Bah oui, mais la visite... Je dis, bah, je l'ai faite, la visite. Ah, mais moi, j'aimerais bien le voir, l'appart. Ok, gros, pas de problème. Donc, il remonte avec le mec qui a visité. Donc, je vois Bernard arriver. Alors, Bernard... le gros con d'agent immobilier. Mais vraiment. Alors déjà, méthode de forcing à l'achat. Je trouve ça absolument déplorable. On parle, donc il fait le tour de l'appart, il dit « Ah, il est bien, puis vous avez ça, puis vous avez une super vue, vous savez, on a aussi mis en vente l'appart juste en dessous de chez vous, il est parti en une semaine, incroyable, et pourtant, il y a moins de lumière que chez vous, ouais, non, franchement, moi je serais vous, monsieur machin, je réfléchirais pas trop longtemps, parce que quand même, d'ailleurs, j'ai le gars de... le mec de la forêt, là. » Je connais très bien le nom de son confrère, mais il se permet une petite pique en mode le mec de la forêt. Qui a visité hier, il a dit, il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit j'achète. Hein. Donc là, bah forcément, il y a deux options possibles dans ce genre de cas. Soit vous faites paniquer le mec qui va acheter et du coup il achète direct, il se pose pas de questions. Soit il se renfrogne quoi, forcément. Et ça se comprend. Donc là, bah lui, il se renfrogne un peu, puis il dit « Hop, bon, bah, je vais peut-être pas l'acheter, du coup. Je vais peut-être pas me positionner s'il y a déjà quelqu'un dessus. Ah non, non, mais je pense que, vous savez, c'est moi le mandataire, hein, donc c'est moi qui choisis à qui je le donne. Hein. Au bout d'un moment, voilà, quoi. Hein, si j'ai pas envie de le donner à mon confrère... on arrive à la fin. J'ai pas envie de le donner à mon confrère, je le donne pas à mon confrère, et puis c'est tout, hein. Bon. Et en fait... le mec, il a eu tellement peur... que j'ai dit de la merde au gars pendant la visite, qu'il a commencé à agir de manière complètement irrationnelle et à me balancer des fions en fait, il me balançait des scuds. Et puis je sais plus, on parle de l'appart, je dis ouais non il est bien, il a quand même pas mal d'avantages machin. Et là il me regarde et en mode super méchant, il me dit oui bah je pense que ça va aux interventions, merci. Micro, ferme ta gueule, t'es arrivé en retard. C'est moi qui ai dû assurer ta visite de merde alors que c'est à toi, c'est ton taf. Mais ferme ta gueule en fait, espèce de sale con. Voilà, prototype du gros FDP, hein, mais bon, en même temps. J'ai pas envie de vous dire que ça m'étonne, mais. Genre, il est chez toi et il t'insulte. Non, mais c'est ça. Oui, bon, vous, ça va, hein, vos interventions, hein, merci. Hein. Mec, t'avais qu'à être là en fait, hein, alors que t'es pas méchant. Non, mais en plus, j'avais rien dit, hein. Il était juste vexé comme un pou parce qu'il avait peur que j'ai dit des saloperies au gars. Bon, au final, le mec l'a acheté, hein. Spoiler, le gars l'a acheté, hein. Et il est pas mécontent de son achat. Bon, par contre, lui, c'est un vrai rentier, hein. Lui, il a au moins 5 ou 6 apparts dans le quartier. Ching. Et vous inquiétez pas que des pièces dans la machine, il en a une paire, hein. Théma, la taille du rat. Comme certains disent. Okay. Mais bon voilà, bref. C'est vraiment une agence de des tas de cons quoi. Je vais vous laisser, je file en leur. Des bisous Cabo, merci beaucoup d'être venu. Des poutous, la bonne soirée, la bonne nuitée, évidemment. Et merci beaucoup pour le leur. Moult bisous, monsieur Beau. Et des bisous à Jen, également. C'est important de transmettre les amitiés. Enfin la relique en taille énorme, en difficile. Oh, on va débloquer des trucs là, c'est sûr. Putain, même avec la foreuse extrême, c'est compliqué. Hein. Même avec ça, c'est compliqué. Bon, après, j'ai encore 9 de cobalt, donc en vrai, c'est no-brainer. Hein. Même si je dois me retaper une vague là, je vais sûrement m'en retaper une, vu la difficulté à creuser là. Je pense que je suis pas prêt de trouver le.
l'autre truc là, l'autre interrupteur. Il y en a deux autres encore. Ok. Ça se profile bien. Oh, c'est long, on se fait chier, hein. Ah, vu. Ok, il y en a encore un en bas et un à gauche, ok. Oh, la musique méga oppressante, là, pour rien. C'est bon, on a vu qu'il y avait la relique, hein. Calmez-vous. Merde, c'est où? Ah là, on a atteint le fond. Le fond du fond. Ah mince alors. Est-ce que ce serait pas par là? Ou alors plus en bas, hein, peut-être. Impossible que ce soit plus en bas. Hein. Faut que je remonte là, par contre. Allez, une petite d'air. Jamais assez. Hein. Ok. Allez, let's gong. Let's gong. Waouh! J'ai 26 quand même. Hein. 26 de fer et 32 flottes. C'est ridicule. Améliorer des trucs là. J'ai plus 4 de. Plus 4 de cobalt, hein. Faut pas non plus trop jouer au Kekos. Ça, on s'en fout un peu maintenant. Le convertisseur aussi, on s'en fout un peu. Est-ce que j'ai pas un item à améliorer là-dedans là? On est bien. Ah si, 14 là. Je pourrais améliorer le retour à l'envoyeur explosif. Ah non, c'est 16. Pour l'envoyeur explosif, c'est bien, mais je pense que je vais prendre la vitesse du coup. Mais j'ai pas amélioré la foreuse en niveau 40. Sage. Enfin, en niveau plus. Méga vénir. Oula, c'est quoi ces aurores? Ah, c'est les mêmes que tout à l'heure, ok, ça. Ah oui, du coup, j'ai eu l'autre bouffon. Ah oui! Magnifique. C'est tout, putain, mais c'était fine en fait. I'm fine, everything's fine. Ok. Ah, vu. Ah oui. J'y crois à mort. Je devrais pas, mais j'y crois. Oui. Oh là là. Oh là 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 là. On se gave. Je sais pas combien il y en a là, mais il y a moyen qu'on achète la encore plus grosse épée là. Que ce soit vraiment un max ridicule. Je bouge encore, hein. Putain, mais je bouge encore, quoi. Ridicule. Oh, vas-y, j'essaie de tout remonter. Vraiment le débile, quoi. Le débilos. Allez, le petit train. Quel enfer! Non, mais il y en a plein qui vont retomber, là. C'est pas possible. Ah non, oh là, pas tant que ça, en fait. Non, non, mais je remonte tout, là. Rien à foutre. J'ai le temps de remonter tout, là. Incroyable. Oh non, j'en ai plus du fer. J'ai acheté plein d'améliorations. J'ai acheté le coup des stocks explosifs. Le coup des stocks explosifs. Explosivo. Allez.
succès demi-marathon. Ah, trop marrant. J'ai eu un succès. Putain, j'ai eu plein de succès même. J'en ai eu deux ou trois, je crois. Ah, ça, il va pas en manquer beaucoup, mais... Oh, il va manquer un. Oh non, oh Sage. Un pour avoir la plus grosse épée encore. Ah, oh, j'ai un peu le démon, là. Je vous cache pas que j'ai un peu le démon. Mais j'aurai le vermifuge à la prochaine, donc j'aurai le temps. C'est le seul qui est... C'est le, celui qui est retombé. Il y en a un qui est retombé. J'ai pas du tout le seum. J'aurais pu m'acheter la, la très grosse épée. Oh merde. Je suis en mourir. Aïe. Alors, reprends ta merde, ça t'es gentil hein. Mais... Oula, oula, oula. Bah c'est quoi? Allez, 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 active-toi, putain de vermifuge de mour. Ah, je perds du temps, c'est trop con. Ok. Putain, le, celui qui m'a manqué, quoi. Le seum! Kind of sum quoi. Ouais mais c'est déjà le fond là. Merde. Je vois pas où il est hein, l'autre. Je vois difficilement comment ça pourrait être là. Étant donné qu'il n'y a pas de cap qui descend. On sait jamais hein. Ah si, bah si. Oh la vache putain. Bien planqué, bien qu'il est plan le truc hein. Oh oui. Bon là peu importe le timing que j'ai, de toute façon il y aura combat. Hein. Non, il m'en manque encore, mais lequel j'ai pas activé. Mince. Je suis du père là. Je suis un peu du père là. Ça c'est actif. Peut-être celui-là. Bah non. Bah merde alors. Qu'est-ce que c'est que cet embrouille là encore? Je comprends pas. Peut-être un qui est planqué quelque part, mais. Dans quel cas je l'ai pas vu. Hein. Si c'est une blague, elle est pas drôle. Y a pas de double fil quelque part, non? Je vois pas. Je vois pas, mais y a pas de raison. Il y en aurait un deuxième ici, peut-être? Je m'enfonce dans les méandres, là, en plus. Non, mais merde. Là, je suis chafouin là. Je ne sais pas quoi en penser. Oh non, non, non! Il me fallait juste un truc, c'était le fer. Hein. Oh merde, je vais être dans la merde là. Du coup, niveau timing, je vais être un peu dans la merde. J'ai le raccourci là, vite. Non, tout est activé, je comprends pas. Hein. J'espère juste que le jeu a pas softlock. Ça m'agacerait un peu, je vous le cache pas. Waouh! Ah non, c'est terrible. Oh oui, le fer qu'il me manquait pour avoir la plus grosse épée encore. Oh!
Elle est gigantique. C'est énorme. Oh, c'est vraiment une grosse épée, ça. Oh, c'est les canards. C'est une vague full canard. Oh, putain. Pas du tout le Delbor, hein. Ok. Oh merde, 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 merde. C'est de la merde là en fait. Ok. Bien sûr d'après, bien sûr. Ah non mais tout était calculé. Tout était calculé. It's fine. Je comprends pas. Ah non, vous savez, il y a un cap qui est pas actif. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a une à gauche là. Ah, ok. Voilà. Dans le coin, je suppose. Hein. Oui. Voilà. C'était dur à coucher, hein. Tiens le petit cobalt là. Faut laisser traîner ça. Hein. Ah! Bon, la dernière vague, je vois pas comment on la passe sans se faire bolosser. Waouh! Je vais vite. Je vais fort vite. Et merde. C'est le combat. C'est l'heure de reprendre la face sur Soulstone Survivor. Ah, je connais pas, tiens. Je connais pas ce petit game U, tiens. Oh là là, oh là là, au secours. Oh, c'est la merde. Oh les canetons. Oh, il y en a beaucoup là. Bon, normalement, de toute façon, le truc va me... Oui, voilà. L'artefact et vous aurez la vie sauve. Je vois difficilement comment ça se passe sans utiliser ça. C'est le même principe que Vampire Survivor, mais... Ah oui, tu m'en avais parlé. Faut que je le note, parce que je voudrais bien voir la gueule que ça. Soulstone Survivors. Et bah c'est beau. Ah, là c'est sœur. Ah, j'ai bien envie de tester ça. Hein. Magnifique. Je peux jouer l'assesseur. Ah, c'est con parce que je pensais plus trop y jouer au jeu et... Bon, on verra. Des bisous YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette longue VOD. Carrière longue déjà, vous savez. Salut mon pote. Merci d'avoir regardé. Des bisous YouTube.